Bonjour, bonjour. Bonjour à vous qui arrivez, les premières personnes. Bonjour Françoise, bonjour Dahlia. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous m'entendez bien aussi? N'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Bien! C'est votre deuxième live de la semaine. Hier, vous avez eu Isabelle. Aujourd'hui, ben vous m'avez sur le cross-training. Voilà, deuxième séance de cette semaine. Je crois que c'est un acte 2 cette semaine. Voilà, petit à petit, voilà, la vie, en tout cas dans les clubs, reprend. Vos différentes activités aussi, j'imagine. Donc on est un petit peu moins nombreux, c'est normal. En tout cas, voilà, on continue de vous accompagner encore sur quelques lives jusqu'à l'été. Bien. On va attendre encore une petite minute. Je pense que vous me connaissez depuis ces différentes semaines, à moins que vous soyez des nouveaux. Et des nouvelles. Donc je me présente rapidement. Je suis Lionel, animateur EPGV. Je suis plutôt basé sur la région de Lyon. Voilà. Je suis également coach sportif et je donne également quelques formations pour la fédération. Bien. En tout cas, on va faire une séance cross-training aujourd'hui. Vous l'avez vu au niveau du commentaire que j'ai pu vous mettre sur le message de ce matin. Vous avez besoin d'un seul tapis, d'une chaise et également d'un élastiband ou d'une serviette. D'accord ? Bien, on va pas tarder, on va commencer le cours par un petit échauffement. Ok ? Donc, installez bien votre espace de travail derrière vous. Je répète, tapis, élastiband et chaise pour ce cross-training qui va durer, la séance va durer à peu près 35 minutes. D'accord? Allez, on est parti. C'est bon pour vous? Très bien, on y va. Step touch. Les mains sur les hanches. On pense à respirer, inspire. Souffle revient. Encore. Dernière fois, vous pouvez ramener les talons vers les fessiers. Je regarde vos commentaires, je vois que certains m'écrivent. Ok, coucou de Nîmes. Ok, on va bien, on lève les bras, on revient à step touch. Encore, inspire en levant les bras, souffle en ramenant. Très bien, tu rassembles les mains aussi. Petit squat, attention à ton dos, pense à bien ramener le ventre. Très bien, petit squat, tu restes, tu souffles, tu remontes. Inspire, souffle, remonte, encore deux. Dernière fois, tu restes en bas, décolle, pied, repose. L'autre pied, encore, pied, les deux en même temps. En haut, en bas, 5, 4, attention, garde bien les genoux au-dessus des orteils, 3, 2, 1, repose talon, redresse, incline, inspire, et souffle, encore, dernière fois, garde les bras, mouline et descend et remonte, encore et descend et remonte. Dernière fois, ramène les mains
Épaule redresse. 4, 3, 2. Dans l'autre sens. Et 4, 3, 2, 1. Très bien. Tu marches en place. Déroule bien la cheville. Et accélère petit à petit. Petit trot sur place. Et on amène talon fesse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Les pieds redescendent. Ralentis. Et tu reviens, talon fesse. Continue. 4, 3, 2. Ralentis. Ok, stabilise. Genou. Une fois la droite, une fois la gauche. Les bras se balancent. Tirez bien les coudes derrière. 4, 3, 2. Tu restes. Et que les bras. Stabilise bien. 4, 3, 2, 1. Change de jambe. Et hip. Que les bras stabilisent, pose le ventre, grandis-toi. 4, 3, 2, 1. Repose le pied et serre. Serre le pouce. Serre le pouce côté, fente latérale. 4, reviens, fente côté. Lie dans l'autre. Encore, passe bien par le cercle. Dernière fois. Et on change de côté, la même chose. Serre, pose. Serre, pose. Encore. Et 4. Gardez le dos bien attiré. 3. Cercle le genou. 2. Doucement, amortis bien la descente. Et restez. Pliez. On oriente ses jambes vers l'extérieur. Attention de ne pas exagérer. Garde bien les orteils, toujours dans une diagonale. Tu descends. Attention à tes genoux dans l'axe des orteils. 10, 9, 8, 7. La respiration. Inspire en descendant. Souffle, monte. Inspire, souffle. Encore. C'est très très court dans la respiration. 5, 4, 3. 2, 1, restez en bas, maintiens, auto-grandissez-vous, reviens parallèle, ramène dans tes hanches, d'accord, tu restes bien, tu recules, et tu reviens, reculez une jambe, pliez bien, ramenez, pliez, souffle, monte. Alors ici, attention à ne pas croiser les jambes, d'accord. On reste bien parallèle. Encore. Et 8, 7, 6. Souffle en montant, reviens. Inspire, descend. Tu peux garder les mains liées pour avoir un dos plus tenu. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Et reste. Ramène la même jambe. Manière un peu plus rapide. C'est toujours la même qui recule et qui avance. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Change de côté si tu me suis au niveau du plan. Et l'autre jambe. Et encore. Encore. 10, 9, 8, 7, 6. 5, descends les épaules, 4, 3, 2, 1, reviens, c'est bien, reviens sur le pas du début, souffle, très bien, on va reprendre ici le pas, j'écarte, je ramène, j'écarte, je ramène, avec moi, facile, et 10,
9, encore 8, 7, on termine l'échauffement, 6, 5, 4, attention, 3, on va accélérer dans les 2, j'accélère, et côté, côté, un pas qui chasse l'autre, encore, si tu ne peux pas sauter, tu le fais sans sauter, mais reste sur le même tempo que moi, hop. Allez, accompagne-moi. Hey. Encore. Si tu peux sauter, tu sautes. Pense à bien utiliser l'utilisation ici du périnée, creux ventral. On est bien sûr gainé hein, pendant ce travail-là. Encore. 4. 3. Soyez souple dans vos chevilles. 2. 1. Bien. Si ça va, je te propose une deuxième option. Le jumping jack. Hop, hop. Tu passes en sumo squat. Tu reviens, j'entends du souffle dans vos jambes. On essaye. Lent. Inspirez, soufflez. Again. Encore. Contracte du périnée à l'expire. Si tu sens que c'est mauvais pour ton dos, reprends celui-ci. D'accord? Tu peux passer à nouveau à celui-là. Ça va, tu continues. Attention, on va accélérer. 4, 3, 2, c'est parti. Ça, c'est la version numéro 2. Tu peux sinon repartir sur celle-là. Choisis la version qui te va. Encore les 10 dernières. Et 10, 9, 8, 7, 6. Grandis-toi. Étire le dos. 4, 3, 2, 1. Reviens. Souffle. Très bien. Bien. Nous sommes à la fin de l'échauffement. Une petite planche crasse classique ici pour finir. Tu vas t'installer face à une chaise. Placez tes mains sur la chaise. Éloignez tes pieds. Auto-grandir, d'accord. Pousse les épaules vers l'arrière, aspirez la poitrine, le creux ventral engagé. On y va, on tient en planche avec moi, allez. Restez. Si c'est trop pour tes poignets, tu peux le faire sur les coudes. Il reste encore 20 secondes. Encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reviens. Déroule le dos. Place les mains sur les cuisses. Enroule souple. Allonge, inspire. Encore deux fois. Dernière fois. Place les coudes cette fois-ci si tu avais mis les mains. Et deuxième planche. Maintiens. Et tu vas tester. Je décolle la jambe droite. 5 secondes. Je pose la gauche. 5 secondes. Garde bien tes alignements. Une dernière fois droite. Une dernière fois gauche. Revenir. Placez les mains sur les cuisses. Allonge, encore deux fois. Dernière fois. Déroulez, tirez. Inclinez. Et inclinez en soufflant. Et revenez. Bien, nous sommes à la fin de l'échauffement. Est-ce que ça va? Ça a l'air d'aller. Oui, vous pouvez faire bien sûr les replays. Pas de soucis. Alors, pour la suite, je vais vous montrer le petit parcours de ce matin, donc les 5 exercices. D'accord? Hop là. Alors, on va commencer par les fentes. Du coup, tu t'installes bien dans l'axe, tu te rappelles des fentes, hein? On les a vues dans l'échauffement.
Tu décolles bien ton talon. Tu es bien en appui, orteil posé, d'accord? Ici, c'est très un exercice assez basique. Tu as les mains à l'avant, tu descends et tu changes de jambe. Tu cherches à bien descendre dans les là profondément. Hein, tu ne fais pas juste ça à moitié. Tu descends, tu es à 2 cm du sol. Si tu as mal au genou et que tu n'as pas fait de sport depuis très longtemps, tu peux bien sûr être moins ample. Si tu es habitué au sport, tu cherches à aller un peu plus loin. D'accord? Bien, donc on alterne à chaque fois jambes et puis l'autre. Le temps de chaque exercice, il y en a 5, c'est 40 secondes. Après, si tu veux faire un peu plus, tu peux faire plus ou moins 5 secondes. D'accord? Mais le temps médian, c'est 40 secondes, 20 secondes de récup. C'était le premier exercice. Le deuxième exercice, il te faut l'élastiband. Si tu n'as pas de surface élastique comme celle-ci, tu peux le faire avec une serviette, une grande serviette. Tu loges ton élastique derrière tes cuisses. On descend dans un petit squat. On fait attention à son dos, on protège bien en creusant le ventre. Périnée engagée en premier. Le dos s'allonge. Le menton est rentré vers la poitrine. Tu amènes les bras en plié et tu les tends. Tu souffles le pli. Tu inspires, tu relâches. D'accord? Pareil pendant 50 secondes. 40 secondes, pardon. 40. D'accord? Pareil, tu peux te faire plus ou moins 5 secondes par rapport à ta variation à toi, personnelle. C'était le deuxième exercice. Troisième exercice, on retrouve sa chaise. Ici, on s'installe, d'accord? Bien, on est à nouveau ici dans un exercice de gainage. On lèvera, pour l'option de difficulté, une jambe toutes les 5 secondes. Si ce n'est pas possible pour toi, tu restes bien sur tes deux appuis. Sinon, l'option de difficulté, 5 secondes l'une, 5 secondes l'autre. C'est le troisième exercice. Quatrième exercice, on récupère son élastique ou sa serviette, pardon. On amène sous le pied. On va mettre une seule jambe. Premier tour, tu vérifies bien que c'est voilà, laquelle. Là, c'est la jambe droite que j'ai choisie. Sur le deuxième tour, tu mettras la jambe gauche. Ici, c'est un exercice de tirage. Tu vas chercher à aller tirer les coudes vers l'arrière, serrer les omoplates. Tu souffles, tu tires, tu reviens. Regardez mon dos, il n'est pas penché à l'avant, contrairement à l'exercice précédent. Là, je suis bien droit, pas perpendiculaire au sol. Dac. On tire vers les coudes vers l'arrière, on bombe le torse sans cambrer. Je garde bien mon coccyx vers le bas. Dac. On fera une partie de l'exercice, le premier round, jambe droite, deuxième round, jambe gauche. On a fait 4 exercices. Le dernier, on va sur le tapis, on s'installe au sol, je m'installe ici et je monte et je descends, d'accord? Simple, pareil, 40 secondes, c'est le temps moyen, tu peux en faire un peu plus ou un peu moins. Gardez attention ici à ne pas poussez trop exagérément, vous devez garder une ligne descendante, d'accord? Et non pas chercher à déhancher. La tête dans le prolongement du dos, également, la tête n'est pas relâchée. C'est bon? Tu as essayé? Allez, on est parti. 5 exercices, on commence par le premier. Le premier, c'est les fentes. Je remets un peu plus fort la musique et c'est parti. Tu as 5 secondes. Encore. 3, 2, 1. Prêt? Et avec moi. Inspire, souffle, monte. Allez, on continue. Encore. On souffle en montant. On inspire, on descend. On essaie de garder le dos bien droit. On cède avec les mains. À l'avant, l'une qui pousse contre l'autre pour fortifier le dos. Tu peux jouer sur l'amplitude.
pouvez faire un break ou continuer encore 2-3 secondes. Ceux qui veulent en faire en plus, vous avez encore 5 secondes. Pour la suite, on prend son élastique. Je loge sous les fessiers. Pareil, hein, si vous avez une grande serviette, vous la logez sous les fessiers. On bascule vers l'avant. Attention, creusez le ventre. C'est parti, je plie et je reviens. Soufflez, reviens. Encore. Tu vas regarder maintenant vers l'avant, non plus l'écran. Allongez les cervicales en rentrant le menton. Encore. Il te reste encore 15 secondes. Je souffle en tirant, je reviens, j'inspire. Vous pouvez faire un break pour ceux qui veulent, sinon on continue encore 3, 2, 1. Ceux qui veulent en faire un peu plus, vous pouvez, 5 secondes de plus. On enchaîne avec la chaise. On prépare. Massage sur les coudes ou sur les mains si tu préfères. 3, 2, 1. Option facile, je garde les pieds au sol. Les deux pieds au sol. Sinon, je décolle 5 secondes. Je tourne jusqu'à 5 et je change. 4, 3, 2, 1, je change. 4, bon, attention à bien garder la ligne descendante, à ne pas monter les fesses vers le haut. Poussez dans vos épaules, ne laissez pas la poitrine tomber. Remontez en poussant dans vos avant-bras. Ceux qui veulent faire un break, vous pouvez. Il reste 5 secondes. 3, 2, 1. Soufflez, revenez, déroulez. Reprends. La serviette ou l'élastique sous un pied, on attrape les boucles. T'installes. C'est une juste légèrement pliée ici, hein, ce n'est pas une grande fente. Le travail ici qui m'intéresse, c'est le travail des bras et du dos. Tu tires les coudes en soufflant, tu reviens. Regarde devant toi, ne regarde pas tes pieds. Gonfle le torse en tirant, reviens. Et souffle, inspire, maîtrise le retour. Soufflez. Si vous avez une serviette et pas le moyen d'avoir cette élasticité, vous restez bloqué et vous revenez. Vous comptez jusqu'à 3. Ça, c'est pour ceux qui ont une serviette rigide. Pour les autres, vous restez sur « je tire » et « je reviens ». Bien, encore 2 secondes pour ceux qui veulent. Le sol. Et tu es prêt? On travaille ici, genou à terre. Et je décolle, je reviens. Soufflez, montez et redescends. Si le coude ici est douloureux, tu peux le faire sur la main. Attention à bien garder l'engagement, l'épaule basse. Continue. Encore. Creusez bien le ventre. Respire en utilisant un dos qui se remplit d'air à chaque fois. Et les dernières secondes. Bien, et on revient. On fera le deuxième côté sur le deuxième round. Le deuxième round va démarrer dans 70 secondes. C'est le temps pour toi de boire, de souffler, éventuellement de bouger un petit peu. D'accord, dans les articulations. Et on repart pour le deuxième tour dans 60 secondes. D'accord? Moi, je regarde vos commentaires. Ça m'a l'air d'aller. Oui, ça fait plaisir de vous revoir aussi. On revoit des anciens, Anne-Marie, Jean-Marie notamment. Bien. Voilà, si vous avez des petits soucis au niveau des cervicales, faites attention toujours de jamais aller dans la douleur. D'accord?
et prenez votre temps. Moi, je suis sur une rythmique. Vous pouvez bien sûr être plus lent que moi. Le principal, c'est de faire ça toujours dans le plaisir et non pas dans la douleur. D'accord ? On reprend dans une dizaine de secondes. On reprend le premier exercice, les fentes alternées avec juste les mains. C'est tout. Engagé. Tu viens avec moi ? 3, 2. On est reparti ? Ouais. Et je descends, je souffle, je remonte. Encore. Descendez loin, soufflez, montez. Le regard, il est à l'horizon, vous ne regardez pas vos pieds. Essayez de bien garder le dos droit. C'est le pied qui glisse au sol, qui recule et qui revient. On pousse sur ça, sur la voûte plantaire ici pour revenir. Et une dernière. Il reste 5 secondes pour ceux qui veulent rajouter une, deux. Et on repart sur le deuxième exercice. Deuxième. On passe sous les fessiers. Bien. Attention, creusez le ventre. Incline légèrement vers l'avant, regardez au sol. Et souffle. Inspire, expire. Allez. Si vous n'avez pas d'élastique, vous tirez, vous restez. Avec votre serviette. Et vous revenez. Comptez jusqu'à 3 avec la serviette qui est tendue. Pour les autres, vous restez hein, sur un mouvement d'aller-retour. 3, 2. Encore 5 secondes pour ceux qui veulent en rajouter. Bien. Exercice numéro 3, la chaise. Pied au sol, on allonge les jambes. On descend bien son coccyx. Creusez bien le ventre, vous remontez dans les épaules. Et il reste 5 secondes. 3, 2, 1, change. 5, 4, 3, 2, 1, pause. Continuez. Montez pas très haut le pied, hein. Ceux qui veulent, vous pouvez faire un break dès maintenant. Pour les autres, vous continuez. Restez au sol. 4, 3, 2, 1. Il reste 5 secondes pour ceux qui en veulent un peu plus. Et on reprend son élastique. On change de pied par rapport à tout à l'heure. On y va. Et tu tires, souffle. Tu reviens. Soufflez. Attention à ce que votre genou ne rentre pas. Corrige-le s'il a tendance à partir vers l'intérieur. Soufflez. Encore. Souffle. Pareil, si tu as la serviette, tu bloques 3 secondes et tu relâches. 3 secondes. Pour les autres, continuez. 3, 2, 1. 5 secondes de plus pour ceux qui veulent. Allez, vous accompagne cette fois-ci. Et on passe au sol. Dernier. Changez bien de côté par rapport à tout à l'heure. Tu montes. Tu reviens. Soufflez, montez et reviens. En haut, attention la tête. Monte pas trop le bassin. Pas de coups. Reste bien dans le prolongement. Souffle et repose. Descends, freine, amortis, remonte. Encore. Soufflez. Si pour toi c'est trop facile, tu peux éventuellement lever le bras.
Encore 5 secondes. Pour ceux qui en veulent un peu plus, il en reste encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Revenez, soufflez. Asseyez-vous. Roule un peu dans les épaules, dans un sens et dans l'autre. Étire. Incline, souffle. Change, étire. Et souffle. Et revenez. Bien. Allez. Petite pause de 60 secondes maintenant. Avant un petit défi. D'accord ? Un petit défi Tabata. Alors, pour ce défi Tabata, cardio. On va être sur un défi cardio, d'accord ? Je t'ai montré deux options. Tu te rappelles de tout à l'heure ? Je t'ai montré deux façons de faire un mouvement, le jumping jack. Soit simple, d'accord ? Une jambe après l'autre. Soit celui-ci en passant par le sumo squat. Tu ne peux pas sauter, favorise celui-là. D'accord ? Un pas qui chasse l'autre. Ça va être la base de notre Tabata. D'ac. Et je vais jouer avec cette matière-là en vous montrant des variations pendant l'exercice. Le Tabata, c'est quoi ? C'est 20 secondes d'effort cardio ici et 10 secondes de récupération. D'ac. Et ça, ça dure 4 minutes. Ça va Jean-Marie ? Il fait chaud, ouvre les fenêtres, sors le ventilo. Et oui, encore ça va aujourd'hui, c'est, la température elle est encore, n'est pas encore dans la canicule. Donc on reprend pour pas non plus trop prendre de récupération. On va reprendre dans une dizaine de secondes. Moi je prépare le morceau. Hop là. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ? Allez, on est parti sur le Tabata dans 10 secondes. Je vais mettre celui-là. Un peu plus fort. Vous êtes prêts ? Celui-là. Et plus rapide. Et... Tu veux pas sauter, tu ne sautes pas, hein. Bien, flétire. Tu restes soit sur ce mode-là, soit tu fais le sumo squat jumping jack avec moi. Lentement. Souffle. Inspire, maîtrise, soufflez. Redresse bien, pense à bien creuser le ventre. Rapide. Celle-ci qui dégage et qui revient lentement. Si tu peux sauter, ça fait. En décolle à peine le talon. Souffle. Talon fesse. La même chose de l'autre côté. Lentement. Et bien la jambe de terre. Tu peux, tu rajoutes le petit saut avec moi. Souffle. Souffle. Allez. Les bras qui lancent. Qui balancent. Reviens. Redresse-toi, talon fesse. Bien. On reprend le sumo squat. Lente pour commencer. Si tu ne peux pas, je rappelle, c'est une jambe après l'autre. Rapide. Allez. Soufflez, talons fesses. Bien. Ok.
8 ici. Une de face, on revient. Une de dos. Et on revient. Face, revient. De dos, revient. Face, change de sens. Ouvre et reviens. Encore. Face et côté. Changez. Et reviens. Bien, talons fesses. On va le refaire, c'était pas super. Tu fais une fois le tour dans un sens, une fois dans l'autre sens. Avec moi. Change. Reviens. Il ira de l'autre côté. Reviens, encore. Premier côté. Reviens. Termine le tour. Ça va? On travaille maintenant la rapidité, c'est la dernière. Jumping jack ou pas côté. Rapide, allez. Tu dois ralentir, ralentis. Allez, souffle dans vos genoux. Yeah! Bravo! Ça va? Bien. Ok, on enchaîne sur un petit défi abdominaux pour finir la séance d'aujourd'hui. On a dit qu'on partait sur 35 minutes. On arrive déjà quasiment au timing. Dernier exercice avant de quelques étirements de fin. Je vous montre. Alors ici. Travail abdominal. D'accord? Ça va faire. Je démarre debout. Je descends. J'avance. Je passe par la planche. Je reste. 5 secondes, je reviens avec les mains et je descends 5 fois. Je marche avec les mains, je pose mes talons si possible, je reviens 5 fois, d'accord? Et après tu repasseras sur les coudes, on maintiendra sur les coudes et il y aura quelques variantes ici, d'accord? Donc, on est parti sur le défi abdominaux, on commence debout face à son tapis. C'est parti, je mets une petite musique pour nous accompagner et c'est bon. Le défi, ça va durer, tu es prêt? Entre 1 minute 30 et 2 minutes pour les plus vaillants. Je lance mon chrono aussi ici. Voilà, la musique et c'est parti. Prêt? Allez, viens avec moi. On est parti, on descend, on s'enroule. On reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. On revient. On déroule son dos et on remonte. On y retourne. Encore. Je monte en pyramide, je descends de ma pyramide. Je remonte dans ma pyramide. Je descends, place par la planche. Allez, encore deux fois. Dernière fois. Reste. Maintien en planche. Restez. Descends un coude. Descends l'autre coude. Reste. Soufflez. Le pied va sur le côté et revient. Deux fois encore. Sans bouger le dos. L'autre jambe. Encore deux. On reprend à droite. Trois fois côté. Et à gauche. Posez les genoux. Revenir. Déroulez le dos. Deuxième, c'est reparti la même chose. Je m'enroule, je descends. Je tiens 5 secondes sur les mains. 4, 3, 2. Je repasse en pyramide. J'avance. Pyramide. Descendez en planche. Encore trois.
Pensez à creuser le ventre. Encore deux. Dernière. Descends les coudes. Reste. Soufflez. Vous pouvez poser pour ceux qui veulent souffler. Les 30 secondes supplémentaires. Je dégage la jambe 3 fois. Je change. 3 fois de l'autre. Encore. Droite. Sans monter les fesses. Gauche. Allez, 10 dernières. Droite. Gauche. On pose. On revient en soupe. Déroulez. Bravo. Bravo à vous. C'était le dernier défi d'aujourd'hui. Quelques étirements avant de se quitter. Alors, ici, revenez, enroulez vos épaules dans un sens et dans l'autre. Souffle. Passe une main, passez l'autre. Dessus, on ouvre, on inspire, expire, soufflez. Et relâche. Change, passe l'autre. L'autre bras. Presse, souffle. Reviens. Glisse un bras vers l'avant. Descends l'épaule. Et regarde l'épaule, souffle. Change. La même chose, glisse l'autre bras. Descendez l'épaule et regardez l'épaule. Reviens. Attrapez vers l'arrière. Soufflez. Pliez les genoux. Enroulez. Souffle. Levez les mains vers le haut. Relâchez les cervicales. Avec le bout du nez, faites un petit cercle. Et dans l'autre sens. Relâche les mains. Passe les mains sur les jambes. Redresse un peu en poussant dans les mains, dos rond, souffle, deux plats, inspire, encore deux fois, souffle, inspire, dernière fois, soufflez, et revenez, déroulez, retrouvez votre axe, ici, une jambe devant, je descends, soufflez, rentrez le menton dans la poitrine, change, l'autre côté, prenez un appui sur une chaise si vous avez besoin pour l'équilibre. J'attrape, je reste, je souffle. Attention à ne pas laisser partir les fesses vers l'arrière. Descendez bien le coccyx et gardez le genou proche. Ça va augmenter l'étirement des cuisses. Posez, changez. L'autre côté, la même chose. J'attrape, je me grandis, je me stabilise. Je rentre le coccyx, soufflez. Bien. Et reposez. Secouez vos jambes. Dernière, inspirez. Inspiration. Inclinez, soufflez. L'autre. Souffle. Et relâchez. Bien. Je vous remercie. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Voilà, en tout cas c'était une petite séance de cross-training. On ne s'est pas vu depuis quelques temps, du coup on a repris sur un petit peu des fondamentaux aussi aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve peut-être d'ici une dizaine de jours. Hein. Voilà, suivez en tout cas le planning. Il y a encore des lives bien sûr, jusqu'à ce début d'été. Après vous aurez certainement des informations pour la suite. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée, un bon appétit et à très très vite. Récupérez bien, soyez, hydratez-vous aussi. Vous avez vu, certainement transpiré comme moi. À très bientôt les amis. À bientôt, ciao ciao.